Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une petite vidéo, un bilan des suites, des soldes que j'ai réalisées durant toute la semaine. Vous le savez, j'ai été dès le premier jour et je vous ai fait une vidéo et par la suite, j'y suis retourné tout simplement soit des soldes qui sont faites sur internet, soit tout simplement en boutique, et j'ai pu mettre la main sur des trucs qui sont encore plutôt sympas et je voulais vous en faire partager. On va commencer donc par un jeu électronique. On va dire, c'est pas un jeu vidéo, on va dire classique. J'aime beaucoup, je trouve que c'est très rétro, c'est très sympa, l'emballage est super joli. Je l'ai eu pour la somme de 7 €, je trouve que c'était quand même un bon prix. Et c'était le Space Invader, donc c'est avec une manette type arcade que l'on branche directement sur la télé. Je trouve que c'est plutôt joli, j'ai une petite collection de ce genre d'items, mais j'en ai rarement en boîte, et du coup c'est l'occasion. Je crois que ça coûtait une trentaine d'euros, donc 7 €, ça reste un très bon prix pour un jeu quand même qui est culte, hein. Space Invader, c'est quand même assez culte. Et ça me fait penser tout de suite aux jeux vidéo des années 80 avec l'Atari 2600 par exemple. Donc ça, je suis très content, 7 €, je trouve que c'est un prix relativement intéressant. J'ai trouvé sinon pas mal de jeux PS4, pas mal de jeux Xbox One et aussi deux jeux Switch, et on terminera par la Switch. Alors en jeu PS4, et ça je suis vraiment content, ça fait vraiment un moment que je le cherchais, le Wargroove. Il baisse de prix assez régulièrement. Attendez 2 minutes, je reviens, je vais essayer de virer cette lampe, ça va être vite fait. Voilà, ça c'est fait, ça sera un petit peu mieux pour la luminosité, voilà. Donc le Wargroove, je le cherchais depuis longtemps à un prix, je mets entre 10 et 15 € en règle générale sur un jeu. Pas plus de 15 €, c'est un petit peu la barre que je me fixe, sauf pour moi des éditions limitées ou des choses comme ça. En plus, c'est une très jolie édition puisqu'elle comprend le manuel de stratégie et donc la carte et les autocollants, ce qui n'est pas commun dans des jeux PS4, on n'a même plus de notice, hein. Donc là, je trouve que c'est très fourni, d'ailleurs on le sent au poids, et c'est un jeu qui est très sympa, je trouve que la jaquette est très très belle, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est du jeu rétro tactique RPG, donc ça donne vraiment envie, voilà. Donc pour 10 €, c'était chez Micromania. Alors continuez à aller regarder vos Micromania, puisqu'il y a de nouveaux produits, hein, qui continuent à baisser, et ça, celui-ci en fait partie, donc un super prix, 10 €. Pareil chez Micromania, le Marvel vs. Capcom, je le cherchais depuis un moment, là aussi 15 €, je me suis dit c'était l'occasion, j'aurais pu le trouver peut-être moins cher, mais tant pis, je l'avais pas trouvé, donc celui-ci je le cherchais depuis un moment, et maintenant c'est chose faite, pardon. Un petit jeu PSVR, c'est pareil, j'ai pas encore la PSVR, mais je me dis peut-être qu'un jour, quand elle sera en solde, je pense que ce sera pas mal, ou alors une bonne occasion, pourquoi pas, le Space Junkies, ça a l'air plutôt rigolo, un jeu dans l'espace, donc je me suis laissé tenter, il était pas très cher, aux alentours d'une dizaine d'euros, un peu plus qu'une dizaine d'euros, donc bon voilà, c'était un petit peu le budget que je me fixe, hein, pour ce genre de jeu. Après donc 3 jeux Xbox One, on est cette fois-ci sur Cultura, c'est le Shadows Tactics, d'ailleurs il faut que je le fasse sur PS4, je l'avais commencé puis je l'avais complètement abandonné. Donc là aussi c'est un peu plus de 10 €, ça reste dans le budget. Celui-ci aussi je me disais peut-être me le prendre pour pas cher du tout, c'était l'occasion, pour 3 €, le NBA 2K Round 2, voilà c'était l'occasion. Et enfin je termine donc les jeux Xbox One par le Battleground, donc voilà, je crois que c'était 2 €, donc voilà c'était pas trop cher, 2 €, ça valait le coup. Et enfin, je vais terminer par la console, c'est vrai, qui me plaît le plus, même si la PS4 est vraiment quasiment au même niveau, mais c'est vrai que je suis encore attaché à Nintendo. C'est la Switch, 2 jeux très sympas, le Long Last 5 Minutes, c'est vraiment du pixel art, rien que la jaquette elle est exceptionnelle, elle est magnifique. Donc très content pour le rentrer pour la somme de 15 €, qui est un petit prix. Et enfin, le dernier, et il me fait super plaisir, là aussi c'est sur Micromania, décidément Micromania font de super affaires. 15 €, le Guilty Gear, la 20e anniversaire, c'est un pack, je trouve qu'il est très joli ce pack. Alors qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Est-ce qu'on a des choses intéressantes? Accompagné d'une lettre du créateur, et on a aussi le artbook, hein, tout simplement. Donc ouais, c'est plutôt pas mal, en plus j'aime beaucoup, c'est un jeu de combat, très sympa, voilà, donc très sympa de le rentrer dans la collection. Surtout pour un petit prix, 15 €, je trouve que c'était vraiment, voilà, ça fait partie des prix que je mets, même si celui-ci est une édition un petit peu plus complète Condition standard, mais je n'aurais pas mis plus que 15 €. Voilà, j'espère en tous les cas cette petite vidéo suite des soldes été 2020 vous aura plu. Alors vraiment, je vous donne un conseil, c'est vraiment continuer à regarder les différentes boutiques et sur internet, hein, parce qu'il y a des baisses de prix, il y a de nouveaux produits qui apparaissent, que ce soit sur Micromania, mais aussi sur les autres boutiques comme Cultura, Carrefour, Leclerc et autres. Voilà, j'espère qu'en tous les cas ça vous aura plu. On se retrouve très vite sur la chaîne. Portez-vous bien, allez, ciao ciao.